Organisé par Arthès Jeunesse, le dispositif Regard Jeune sur le cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Là, ils s'inscrivent dans un parcours cinématographique qui leur permet, entre autres, de réaliser un reportage critique autour d'un film en compétition dans les différentes sélections cannoises. Partenaire média de cette opération, ILTV vous propose de découvrir ces reportages. Le procès Goldman est un film de Cédric Kahn avec Arié Vorthalter, Arthur Harari et Jérémy Lewin. Ce film est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2023. Voici le reportage critique des élèves du lycée Claude-Nicolas Ledoux. Un partenariat ILTV, Regard Jeune sur le cinéma et la quinzaine en action. Bonjour, on vient du lycée Claude-Nicolas Ledoux à Vincennes et dans le cadre de Regard Jeune sur le cinéma, on va aller voir le procès Goldman de Cédric Kahn qui a été sélectionné à la quinzaine des cinéastes. Bonne séance! Pierre Goldman, il va être accusé dans les années 70 de plusieurs crimes qui sont du coup le braquage ou le meurtre de deux pharmaciennes durant l'année 1969, le 19 décembre 1969. Et du coup, il va avoir eu lieu un premier procès, qui précède du coup le film que l'on ne voit pas du tout, durant lequel il va être condamné, et où il va faire appel. Et du coup, durant tout le film, on va avoir tous les détails de ce deuxième procès, où en fait, durant tout le film, il va tout simplement essayer de clamer son innocence. L'originalité de ce film est le format. Aujourd'hui, tous les films sont filmés en 16/9, tandis que celui-là est filmé en 4 tiers. Pierre Goldman est un intellectuel très brillant d'extrême gauche qui est soutenu par l'intelligentsia de France et qui était très engagé politiquement. Il a été jusqu'à faire la guérilla en Amérique latine et quand il est revenu quelques années plus tard en France, il a progressivement plongé dans le banditisme, ce qui a mené à son procès. Personnellement, j'ai bien aimé ce film, je l'ai trouvé assez intéressant. Après, c'est vrai que le personnage de Pierre Goldman était assez insupportable à plusieurs reprises. Au-delà d'être un témoignage historique, le procès Goldman est un film surtout sur la parole et qui traite de l'art rhétorique, qui a une place non négligeable dans le film, puisque en fait, par exemple, le spectateur se surprend à avoir des opinions totalement fluctuantes en fonction des propos, des arguments forts avancés par les orateurs comme les avocats, les procureurs, les témoins. Pour moi, l'idéal, c'était de mettre le spectateur dans la position d'un juré, en fait, que lui-même puisse se dire « ah oui, ah non, ah peut-être ». Et finalement, il est innocenté au bénéfice du doute, ce qui paraît, au vu des débats, assez logique, mais pas plus. En fait, c'était pas assez varié en termes de décor, c'est-à-dire qu'on a eu que trois lieux différents, donc la prison, le bureau et le tribunal. Et c'est justement moi ce qui m'a pas fait accrocher parce qu'il n'y avait pas assez d'action ou justement quelque chose qui nous faisait accrocher. Mais je sais que ça pouvait bien évidemment être un parti pris. J'aurais préféré qu'on ne passe pas par le huis clos pour raconter cette histoire puisque cela m'a un peu sorti justement de ce que ça voulait raconter. J'aurais préféré peut-être qu'il y ait une histoire en parallèle, comme on a pu le voir dans Philadelphia, par exemple, avec une histoire qui se concentre aussi sur l'avocat qui défend donc le personnage principal. Il y a une chose que j'ai vraiment trouvée très très belle dans ce film, c'était la colorimétrie. Il y avait une unité de tons dans toutes les couleurs, principalement dans la salle de procès, qui était vraiment magnifique, avec des tons un peu bleus et marrons. Et une luminosité qui était vraiment superbe. Et il y a eu la semaine dernière une rencontre professionnelle où le chef décorateur a expliqué qu'en fait, Cédric Kahn, pour ce film, pour la salle de procès, il voulait quelque chose de très très lumineux. Et du coup, en fait, ils ont construit le décor de la salle de procès sur un ancien court de tennis avec une verrière. Et donc, en fait, il y avait une lumière très très forte qui a permis de faire ressortir ces couleurs de cette manière-là et de faire un écran et une image vraiment très très belle.